Astuce sur l'eau. Mesdames, bonjour. Aujourd'hui, je vous donne cette astuce suivante. Il fait chaud, on manque d'eau. Il faut économiser l'eau si on veut ne pas en manquer. Donc, un moyen très simple d'économiser l'eau. Lorsque vous faites votre vaisselle, simplement utilisez l'eau de votre vaisselle. Pourquoi? Pour arroser des plantes. Si vous mettez du produit vaisselle, mettez un produit dans lequel vous pouvez mettre ensuite dans la terre, comme du vinaigre blanc avec un peu de bicarbonate. Une autre manière d'économiser l'eau de la vaisselle, c'est la suivante. Lorsque vous prenez votre repas, préférez des bols, mangez dans le bol, puis ensuite faites-vous une tisane et avec l'eau de la tisane, lavez votre bol. Ainsi, vous éviterez d'utiliser de l'eau pour votre vaisselle et en plus, vous servirez de votre tisane pour laver votre bol et bien sûr de boire votre tisane comme d'habitude. Et puis un dernier point concernant l'eau, utilisez des toilettes sèches. C'est simple, vous économisez de l'eau et en plus vous permettez à ce que vos déchets humains puissent être compostés et réutilisés dans des endroits comme les jardins. Si vous n'avez pas de jardin auprès de chez vous, cette matière peut être utile à d'autres endroits autour de vous. Peut-être vous avez des gens qui ont un jardin ou des plantes qui auraient bien besoin que toute cette matière leur serve d'humus. Car oui, bon, ça se fait pas en quelques jours, mais sur la durée, vous avez grande chance d'avoir de bons résultats. Donc, quelques moyens très simples d'économiser l'eau. Et l'eau économisée, bah, vous pouvez l'utiliser pour vous hydrater. Car oui, une chasse d'eau de je ne sais pas combien de litres d'eau, c'est de l'eau potable. Donc voyez comment vous pouvez être heureux simplement.